Ouh là là, ce démarrage arnaque sur les chapeaux de roue. Non, c'est des ailes, on me dit. Ah, bah, on va voir ça. Hein. Eh oui, puisque, comme promis, chose due, je vous ai fait un stream sur Raiden 4, où j'avais un sentiment un petit peu mitigé parce qu'on n'a parcouru qu'un seul mode. Et du coup, ce soir, bah, j'en profite pour vous faire un double feature, puisque je vous rajoute la partie qui va nous permettre d'explorer les autres modes. Et oui! Donc nous on avait essayé celui-là la dernière fois. Je n'ai pas retouché le jeu depuis. Alors c'est très très étrange, mais c'est peut-être un peu normal. Je vous ai préparé un petit peu 150 streams depuis. Donc voilà. Je peux pas être partout. Et puis il y a une vie autour, accessoirement il paraît. Mais donc, accessoirement, on s'en fout. Donc le arcade mode, on en a fait le tour. Maintenant on va se farcir ben, les trois autres modes, voir ce que ça donne. New mode play with two missions and new score system. Répétez. Alors, option patin couffin, on va s'en passer. Comme la dernière fois, du coup, je suis en premier run. Ça va être très rigolo. Est-ce que je vais râler autant que la dernière fois? Je pense, oui, sans le moindre problème. Donc, je me rappelle plus trop. Je crois que j'ai un tir, je crois que j'ai des missiles en plus et des bombes. C'est ça? J'ai bon? J'ai bon? Non. J'ai pas de missiles. Oula, c'est quoi? Je sens que je saisis le mode scoring qu'on essaie de nous vendre. Qui apparemment a été inspiré par des voisins. Que je ne nommerai pas vu qu'ils travaillent dans une grotte. Mais voilà. D'ailleurs, j'ai pas mis ici mes bonbons. Ah, ça y est. Putain, les pieds quand même. Oula, oula, attends, c'est quoi là? Alors, j'ai pas compris ça. D'accord, c'est des bonus. Est-ce que si je ramasse la carcasse avant, ça veut dire que ça fait plus de points? J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Ou alors, faut que je l'achève, peut-être. C'est comme une fatalité, mais en chemin. Vous me l'achetez? Je sais pas, j'ai pas lu les règles, du coup, j'improvise au fur et à mesure. Et en plus, je commence en même temps. C'est loin d'être évident. De là à me plaindre, on est plus très loin. Mais je ne vais pas le faire, puisque on sent que je le plate totalement. Alors faut que je comprenne ce level là. Pas compris, pas compris du tout, mais. C'est dommage. Envoyez-moi un tweet pour m'expliquer. Le problème c'est que l'émission est enregistrée, donc vous ne savez même pas que je suis en train de jouer à ça, bande de malheureux naïfs. Non mais moi je fais la grève du tir hein, si ça continue. Ça va se passer comme ça. Celui je le sens vigoureux et énervé. Regardez-moi ça, vigoureux, énervé, c'est bien ce que je disais. Ça lui c'est pas terrible hein, ces histoires de bonus à la comme chez les voisins. Que je ne nommerai toujours pas, mais il travaille dans un endroit où il n'y a pas de fenêtre. Ah, puis la zig, c'est pas ma tasse. Je vais être totalement honnête. J'ai pas envie d'aller en boîte après. Ni avant, ni après d'ailleurs. Je ne sais pas ce que c'est. Et je me suis concentré sur attirer ce seul truc pour voir si ça faisait monter quelque chose. Oui, il passe en niveau 2, mais. Where is the intérêt pour moi, à part m'exposer à davantage de boulettes en restant focus dessus. I want to know. Believe me, I want to really know. Because I'm so pas content d'être une de l'ignorance. Ouh, ça commence à partir en sac. Ça va pas tarder à bomber les aminches. J'ai le doigt dessus là déjà. Je donne un indice. Samuel, les petits bénus, Sophie, maman, 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 maman. Je reste toujours sur ce sentiment mitigé. Hein. C'est bien, c'est propre, c'est joli, c'est lisible. C'est la vieille recette éculée de Raiden qu'on connaît tous. Mais quel intérêt? Alors,
peut-être que les subtilités du scoring dans ce mode-là doivent être super intéressantes une fois qu'on les connaît. Ceci dit, j'ai pas trop vu le manuel d'utilisation. Et du coup, sonnez-vous ça. Yes, I do. Du coup, je prends pas un gros plaisir. Hein, ça sonnait. D'ailleurs, ça s'entend au timbre de la voix qui est totalement coquin et enjoué à la fois. Où est le frisson, ou le délire, le je ne sais quoi. J'aurais jamais dû changer de tir. Je vais apprendre ce qu'est l'humilité face à ce truc. Si je peux charger mes missiles, alors ça c'est bien. Truc du calme. Non. Oui ben c'est pas mal. J'ai pas encore bombé en plus, donc j'ai une bombe en plus qu'au démarrage. Ça veut dire que j'ai le droit de m'en servir si je suis très contrarié. Comme par exemple... maintenant. Je le sentais pas là, je le sentais pas du tout. Donc, sorti de cette histoire de mode pseudo-scoring, je sais pas moi. Y a pas de différence avec les ennemis apparemment. Si je me rappelle bien, dans le stream précédent, on est allé jusque là. Je me rappelle pas si on est allé après du coup. Ça va être la surprise. Ça va vite se voir de toute manière. Parce que jusque là, j'avais un run dans les dents. Donc, je pense qu'à partir de là, je pense que c'est par là que le stream a dû s'arrêter suite à une coupure faisceau, on dit, pour les professionnels. Moi n'étant pas professionnel, je dirais tout simplement un game over. C'est beaucoup plus honnête comme version. Non, faut pas que je focus sur ces bonus à la con. Vous avez remarqué quand même que les bonus, quand je les laisse se tournoyer en haut de l'écran, il m'arrive rien de dramatique. Dès que je fais l'erreur de commencer à vouloir grimper sur ce damné écran, on dirait la montée au filet de quelqu'un qui s'est fait calculer de 5 heures à l'avance. Je l'ai bien exprimé là, non? Comment ça, je n'ai pas encore bombé? Oui, c'est pas mon truc, bombé. C'est la petite fierté du joueur, ça. On y go. On va se faire juste au game over, et puis on basculera dans le mode... le mode voisin. Ah, il y a le level 3, quand même. C'est mérité, hein. On va explorer les autres modes. Des fois qu'il y a des choses plus originales qui apparaissent. C'est pas une révolution sur l'écran. Il me change de musique. Non, ça c'est méchant, petit et mesquin à la fois. Soit beaucoup de choses quand même. Non, je ne me montrais pas sur ton putain d'écran. J'ai compris que dès que je dépassais la moitié, je me prenais des branlées. Donc tout ce qui est au-dessus de la moitié, tu le gardes. Je n'en veux pas, quoi. C'est pas la peine. Aïe. Bon, même des fois, c'est en dessous. Hein, quand même. Aïe. J'ai pas le temps de bomber, amigo. Et c'est barré de désespoir. Face à ma boulettitude. Moi je veux bien celui-là. Bon, moi j'arrive à voir. Le problème du rayon continu, c'est qu'on voit que dalle quoi. Continue, mais j'en ai autant que je veux, qu'est-ce qui se passe? Ah mais j'en avais peut-être gagné en plus la dernière fois. J'avais déverrouillé des continues, il me semble. Pourquoi tu peux te bégayer, tu peux gagner pas, c'est juste que je veux me remettre dans le jeu. Ah là, bah... ne monte pas au-dessus de la moitié de l'écran. Il va t'arriver des misères. Ce jeu ne t'aime pas. Fais-lui voir que tu es indifférent à sa haine. Je suis indifférent à ta haine. Le maître m'a appris à garder ma rage et la contenir au fond de moi. Mais il y a des moments, je bombe. Ah oui, il faut se méfier, quoi. Gentil, mais pas trop. Not too much. Level 4, comment j'ai fait? Je ne sais pas, j'ai pas compris. Un jour, j'aurai un bout d'explication dans un bout de manuel. Ou j'irai sur un site obscur du Darknet. Chercher sur la version Darknet de shmup.com ou shmup.mall dans les faux-faux. La réponse ultime à mon interrogation qui restera une interrogation pour ce soir, je sais pas. Alors, il doit pas être compliqué à figer leur système de scoring avec des bonus de machin, des bonbons, mais... oh, oh. Non, je ne voulais pas bomber de ma propre pierre. Là, c'est fini.
On est coquin, on est coquin. La PC arrive. Bon, je ne cesse plus jamais de tirer. Ce jeu m'exaspère. Alors, je rappelle que je l'avais chopé en promo à 2€. Ce qui, quand même, somme toute, reste une bonne affaire. 2€ le shoot, il n'est pas jouable. Hein. Voilà. C'est juste pour bomber. Je crois que je vais perdre. Si, je l'avais fait ce boss. J'ai pas regardé. Le stream que vous venez juste de voir juste avant, je ne l'ai pas regardé, donc du coup je ne sais plus. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas. Il fait mal quand même. Yes I do, doudou. Oula, ouh. Mon vaisseau bouge un peu. Aussi. Oh, arrête de te plaindre. Et ce tir va pas du tout. Ça y est, j'ai mis toutes les formes de plaintes qui étaient possibles pour la journée. J'ai bon, je peux rentrer chez moi? Oui, bah là, je sentais pas, je sais pas pourquoi. Manque d'inspiration, manque de confiance, manque de je ne sais pas. Sinon, ta petite tourelle là-haut, elle arrête un peu. Bah oui, mais moi, je veux bien être sympa, mais quand même. Voilà. J'ai des minutes à tout. Piu, 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 piu. C'est pas mal, mais si tu pouvais mourir en entier ce serait bien, parce que je sens que tu vas amener les lasers. Et les lasers, j'aime pas trop. J'ai envie de bouger d'un poil. C'est le petit poil qui manquait. Oui, ben voilà. Je me sens plus rassuré avec cette bombe du coup. Ah, mais il y a encore une nouvelle couche. Oui, y a. Sortez les Kleenex. Je vais pleurer. Qu'est-ce qu'il va me faire? C'est ça. Vas-y, fais-moi ta grosse. Connerie. Oh, ça fait un petit peu vite, ça, monsieur. Non, pas le petit qui colle. Je suis désolé, mais je l'aime pas du tout. Je ne l'aime pas du tout. Il ne m'aime pas non plus. Et alors, ce tir qui accélère, faut que je m'en rappelle quand même un petit peu, parce que... je me le prends sur la couenne à chaque fois, c'est ridicule. C'est marrant comme on préfère un coin de l'écran qu'un autre. J'aime mieux le côté gauche que le côté droit, étrangement. Quand je donne un indice, c'est un peu en liaison avec mon hémisphère dominant. Oui, c'est le droit, c'est bizarre. Oui, mais c'est l'œil droit qui regarde le côté gauche. Oui, on joue. Comment ça, faut que j'arrête les théories fumeuses? Je fais ce que je veux, vous êtes dans mon stream. Vous allez supporter toutes les théories du monde. D'ailleurs, il faut que je vous parle des reptiliens. J'ai de nouveaux indices. Avec des amis, on a enquêté. Et il se trouve qu'ils sont pas extraterrestres, en fait. Pas du tout. En fait, c'est des autostoppers. Du Nicaragua. Oui, meubler avec des conneries, c'est un métier. Et vous me connaissez, jamais avoir dans le domaine. Oh purée, non, mais vous ne me plaît pas, ce jeu, vous ne me plaît pas. Et je lui plais pas apparemment, parce que... Et... Le dev, tu m'entends? Ton coup de foutre, les bonus, pile sur les axes des boulettes. Et réciproquement, je ne veux plus voir ça. C'est juste deg. C'est deg. Parce que tu as espoir, quand tu as un armement un peu ridicule comme j'ai en ce moment, de vite remonter dans un mode boosté où tu vas semer terreur, désolation et annihilation tout autour de toi, et tu es prêt à aller sur ce bonus, même si c'est un petit risque. Mais tu te dis que le programmeur il n'a pas fait systématiquement le tir derrière les bonus qui sont lâchés. Et là on t'a un peu pas au nom, mon gars. Je veux pas faire ma tête, mais voilà, c'est ça tout. Je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas, pas le programmeur. On se retrouvera. On se retrouvera, je te le dis. Tu vas bien craquer et faire un nouveau rédac. On va pas s'arrêter au 5. Alors vous noterez quand même que quand je parle et que je dis des conneries et des théories fumeuses, ça m'aide beaucoup. C'est la fameuse théorie d'ailleurs dont je vous avais parlé précédemment, qui est de vider son cerveau pour en être au point zéro, voilà, l'ultime réflexe et la machine à tuer tel que je peux l'être dans mes meilleurs moments. Qui en général dure entre 5 et 7 secondes dans les chemins, comme vous avez remarqué. C'est pas toute une partie étrangement, les super plays
se gardent bien loin de moi apparemment. Peut-être qu'ils ont peur. Puis ma volonté à se jeter sous les boulettes comme ça, forcément ça les fait peur. Non, je ne veux pas ce tir, je n'aime pas. Donne-moi mon gros tir en V qui couille bien vachement casque. Qui kiffe tout l'écran. Des missiles par million. Oh, va mourir. Je crois qu'on va arrêter là ce jeu, mon ami. Puis je l'ennuie lui aussi, je le sens. Regardez ce qu'il m'envoie là. C'est quand même pas très sympa. Il aurait un minimum de compassion. Il modifierait ses patterns en conséquence. Regarde, j'ai un poulet en face qui comprend rien. Je vais lui mettre 3 vaisseaux et c'est fini. Ouais, game over, c'est ce que j'attendais comme mot, merci. Oh, c'est dommage, on était presque à... Comment ça, je le fais super mal. Bah oui, mais il faut ce qu'il faut. Non, je ne veux pas marquer mon nom. Je suis trop beau. Display, ouais, mais surtout pas le replay, quoi. Non, d'ailleurs, je vais effacer le stream. Non. Non. Mais... C'est pour ça que j'y arrivais pas. Regardez, j'ai un défaut dans le joystick. Dès que je fais bas, ça remonte. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est que ce jeu est totalement cheaté avec moi. Alors, mode additionnel. Ah bah là, on n'est pas prêt de les voir, t'es de nouveau stage. Aïe, 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 aïe. Il faudra que je me renseigne sur ce que c'est, ce playstyle là. X, V-Wave. Tu ne parles pas trop de tes playstyle, mon petit happy. Ah bah c'est con, c'était tout expliqué, dis-moi. Bon. Soit. Startons. Je pense que ce mode est totalement différent. Déjà, on voit que c'est pas du tout le même carburant utilisé dans le vaisseau. Regardez la couleur des réacteurs. Hein ? Comment ça ? Déjà, je me moque au démarrage. Si je voulais vraiment me moquer, je pense que j'userais d'autres arguments, autrement plus méchants. Car vous connaissez tous ma méchantitude légendaire. Beaucoup de schmucks l'ont expérimenté. Mais c'est parce qu'à la base, j'étais quand même pas terrible. Hein. Non, j'ai eu le l'histoire des bonus pas ramassés, je sais plus maintenant, je sais plus. Alors, j'ai troqué mes missiles contre de petits autoguidés qui sont très rigolos, qui sont des armes. Je sais pas si je le change, mais bon, on va y arriver. Oui. Alors, toute impression de déjà vu, ça aurait sûrement une impression, hein, parce que là on est sur un mode totalement différent. Bon, toujours pas de cynisme dans The Big Game of Ski. Les faits, toujours les faits. Vous êtes coquin, à moi la petite. Fait. Et là je vais lui mettre une branlée de missile déjà dès le démarrage. Je suis en train de m'endormir, hein, c'est normal. Tiens, tu l'aimes bien celui-là. Prends le don. Moi, merci. Je vois pas quoi vous raconter sur cette version. À part que la BO a été faite par Didier Barbelivien, apparemment. Non, je suis trop méchant. Je retire ça. C'était de l'humour. Là, je vais avoir des ennuis avec le forum JV25.
Franchement, ils étaient pas nés. Pour Barbelivien, ça va, ça passe. Ils étaient encore en fermentation, c'est le terme technique, oui, c'est ça. Oui, bah, tu es bien dans The Big Mosky, hein. C'est, nous, on a l'âge de dire des saloperies. Il y en a qui ne l'ont pas, donc on en profite un peu lâchement, quand même. Nous, c'est un petit peu mode harakiri, quoi, pour les gens comme moi, ça. Je fais un remix, hein. J'ai pas le temps de m'ennuyer, mais je fais un remix parce que c'est... Bah, j'ai l'impression d'avoir fait trois fois la même partie avec des variantes qui sont quand même d'une subtilité... qui ferait passer le mot variante pour anodin. Et voilà. Là, j'ai l'impression d'être dans le mode arcade. Dans le mode score, on a une petite différence avec ces bonus qui subissaient une inflation au fil des coups qu'on leur mettait dans la gueule. Là, je suis revenu au mode arcade plus, quoi. Avec le petit accent, tu vois, de petits gars de quartier qui disent oh, je prends pas un petit blanc aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter le canon. Ouais, mais toi, t'as habité Montmartre. Eh ouais. Mais quand c'était bien, quoi. Avant qu'il y ait la butte, avant c'était plein, c'était génial. On fatiguait pas. Hein. Comment ça, je meuble encore avec n'importe quoi? Oui, bah, regardez-moi. Est-ce que j'ai l'air heureux dans ce shoot? Pas super. Alors attends, je t'arrive sur le Vesta, c'est ça. Ouais. Salut! Salut! Non, celle-là, normalement, je la passe. Pff, faute d'inattention, j'ai pas regardé dans le rétro. Non, je ne te lâcherai pas, ce tir est auto-guidé, de toute manière tu l'as dans l'os. Et oui, faut y résoudre, Charlie. Hop, petit missile dans la gueule pour démarrer, ça fait toujours plaisir. Hop, je me concentre sur celui de gauche, parce que ça a l'air pas sympa. C'est bien ce que je disais, il était pas sympa. C'est bon, il est mort et c'est chouette. Il est mort et c'est chouette. Là. Bon, suivant. Hello. Encore un, tu me dis, hein, sans vin. Hop, cadeau, y'a pas de problème. Ça dévorait son magasin. Vous faites pas, c'est bon, péril. Si j'avais le chat activé, je suis sûr qu'il y a des gens qui diraient Monsieur K, tu es vraiment méchant, tu n'aimes pas Raiden. Et oui, je n'aime pas Raiden. J'ai ce sale goût de licence qu'on fait s'éterniser sans lui apporter des choses qui réellement soulèveraient l'enthousiasme, le plaisir de redécouvrir son gameplay, mais d'une manière totalement renouvelée, quoi. Un peu de fraîcheur, comme on dit couramment dans le jargon technique du jeu vidéo, et qu'on n'a pas trop d'adjectifs nouveaux sous la main. Et cette musique que je ne supporte pas très bien. Tu as deux doigts de faire le 12 sur mon téléphone pour appeler Jean-Michel. Jean-Michel Boitage. Je pense qu'il est peut-être dans quelque chose. Gauche, droite, gauche, gauche, droite. C'est ça, moi, mon souci avec Raiden, c'est ça a toujours été ça, ce jeu. Et donc, bah, oui, on est la toute puissance, regardez-moi cette annihilation de masse sur ces pauvres choses flottantes. Bon. Where is the fierté? Ici, on va voir ça. Non, apparemment. Qu'est-ce qu'on avait dit sur la moitié supérieure d'écran? Ah oui, je peux pas y aller. Ça aussi, ça me manque. C'est les déformations d'un jeu à l'autre. Alors, je sais plus à quoi j'ai joué récemment pour que ça soit déformé à ce point-là. C'était un racing. Non, pas un wrestling. Pas de vin. Je parlais de racing, un shoot. Racing qui était magnifique d'ailleurs. Magnifique, mais très contrariant sur son gameplay, parce qu'il n'était pas super lisible.
Et normalement, je vais bientôt vous le streamer. Je joue bien hein, quand je parle tout le temps. Donc quoi, ma théorie du déchargeage de cerveau est tout à fait opérationnelle. Enfin, sur moi, elle marche bien. Ouais, sur vous, ça fait peut-être l'effet inverse, j'en sais rien. Vous me raconterez dans les commentaires. Et donc oui, ce shoot de racing, vous le verrez très bientôt parce que j'ai pris plus de temps que d'habitude pour le streamer. Je lance et je fais la prise. Il n'y a pas de bullshit dans TPG. Quand je vous dis que je débarque dans les jeux, je débarque vraiment dans les jeux. Je fais pas ma petite répète de chuchote. Que vous pouvez voir sur les chaînes Mozilla d'ailleurs. Et je ne donne pas de nom. Non, pas de nom. Ni de géographe. Et voilà. Et donc, bah... Ce jeu m'a super contrarié parce que c'était le jeu, quand il est sorti, j'étais hélas adulte et j'aurais été môme. C'était un rêve éveillé ce truc quoi. Et du coup j'ai pris le temps de le restreamer. J'ai fait deux streams pour lui parce que j'avais envie de comprendre et de lui exprimer mes critiques, mais de la manière la plus noble et respectueuse possible. Voilà. En respect pour le travail de toute l'équipe derrière qui avait bossé dessus. Et donc je suis en train de meubler un stream sur Raiden 4 en parlant d'un tout autre shoot. C'est extraordinaire, on n'arrête pas les innovations dans TBG. C'est l'heure de prendre un pruneau. Oui mais là cette fois je vais aller plus loin et on va voir les nouveaux tableaux. Il paraît qu'il y a des nouveaux tableaux. Me tue pas, pas maintenant. Malheureux, je ne saurai jamais quels sont ces... Merveilleux, nouveau. Ça c'est une bombe monsieur. Eh oui, il faut pas trop non plus. Voilà. Et là, je vais faire ma dernière parce que ça a commencé à devenir tendu. Il risque d'y avoir un petit moment de flottement, on va dire. Squeak. Et là ça va tirer, donc tu te barres. Comment j'ai fait pour le rater celui-là? Ce pattern il est con comme la lune. Oh je me déçois des fois dedans. Mal aux yeux à force ce truc. Comment ça Mathieu, tu n'as pas arrêté de râler depuis le début du stream? Bah oui c'est un stream bonus, j'ai pas de compte en rond là. Normalement je devrais même pas parler dessus. Quoi? C'est mieux quand je ne parle. Allez vous, hein? On est faux. Ouais ben. Redis-le moi dans le chat là. Bon, t'as de la chance, j'ai pas le temps de lire le chat, mais. Si j'avais le temps de lire le chat, je te garantis que je lirais le chat. Et je pense qu'avec une main, je prendrai le temps de répondre pendant que ma langue appuie sur le bouton shoot. Il n'a pas idée de tout ce que je peux faire avec ma langue. D'ailleurs, j'ai eu des streams, j'ai fait des trucs avec ma langue. C'est ceux où je parle pas d'ailleurs. Comme quoi, ma théorie ne tient pas du tout. Ça va être dur ce soir, ça va être très très dur. Est-ce qu'il nous reste un mode à vous faire voir? Parce que je regarde à droite, je regarde à gauche. Je n'ai toujours aucun enthousiasme pour ce type. Il est bien, il est sympa, mais c'est le truc que tu fais avec des potes à l'apéro, mais sans chercher à comparer les scores de l'un ou l'autre. Tu mets ça comme un aquarium. Ou la télévision, je parle. Pipi. Ne pas monter en haut de l'écran, t'as déjà dit. Ouvre d'andouille. Voilà, tu redescends sagement à la maison à chaque fois. Tu as droit à ce premier tiers, ça c'est la safe zone. Après le deuxième tiers, c'est... Tu montes en température, et c'est après si tu passes dans le dernier tiers, c'est que tu as vraiment envie de mourir, quoi. Mais bien entendu qu'on continue, regarde, c'est un nouveau tableau qu'on n'a jamais vu, qui ressemble étrangement au tableau qu'on avait vu l'autre fois, mais bon, il est nouveau celui-là. Et bim, j'ai été désagréable, j'ai dit des grosses méchancetés, et voilà. La punition est immédiate, quoi. Ce jeu ne pardonne pas, il y a un micro caché. Il est connecté avec Alexa. C'est dommage parce qu'on est vachement mieux là.
comment ça, j'ai ressorti mon sinistre. Du tout, enfin, vous me connaissez. Oui, je vais passer tous mes crédits, ce sera plus grave. Tiens, bon. Comment ça, je massacre cette partie du box? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de mieux? Je vais pas super scorer. Je peux faire des petits passages comme ça de gloire, mais bon, ce sont des petits passages de gloire. Alors oui, un nouveau boss peut-être. Je reviens sur mon opinion. J'allais dire qu'elle était mieux, mais... On va se calmer les nazes là, j'en ai marre. Et oui, j'avais prévenu quand même. Il y a un moment... ça devient relou. C'est bon, j'ai tué tout le monde, je peux avoir le vrai boss. Allez, please, please. Oh, la surprise totale. Je ne m'y attends pas. Mais que se passe-t-il? Un complot complotesque? Oui! Oh ma gueule. C'est un peu tordu ça, les gars. Ne le répète pas. Non! J'avais prévenu. Ils vont m'accompagner jusqu'en bas, les trucs mécaniques là. C'est pas très sympa. Vous avez tendance à passer en bas de mon écran. Je vous rappelle, les amis, que vous habitez en haut d'écran, vous. En bas, c'est chez moi. Non. C'est exactement les passages que je n'aime pas, ça. Ils me rendent bien, apparemment. Faut vraiment tout anticiper à mort. Genre, faut que ce soit bien propre de toute tourelle si on veut pas avoir d'ennui en dessous. Avec les autres trucs volants. Enfin, c'est ce que j'en comprends. C'est peut-être une autre manière d'aborder. Oui, un petit peu de sérieux dans ce stream, ça fait pas de mal. Ça devient une bonne erreur. Chiche. Bougre 2. Comment est-ce ça? Non. Quoi que si. Pour un boss, un truc collant, c'est pas mal. Je vois, 30 minutes. Oula, 30 minutes, je vous ai fait voir deux modes. 3. Je sais pas, combien vous m'en achetez là. Hip. J'essaie de comprendre, j'apprends en temps réel là. Qu'est-ce qui se passe? Hey, il est juste bien celui-là. Oh, le télégramme. Il envoie le télégramme. Cadeau, il en a en stop, mais je dépasse. Ichichichichich. Ouch. Les petits patterns croisés bien vicieux. Pas compliqué, mais vicieux, quoi. On meurt pour de vrai ou c'est juste une répète? C'était pour de vrai. Et ce game over qui ne veut pas arriver. Oui, je suis assez malheureux de ne pas être en game over déjà. Oula, nouveau décor, nouveau tableau. Alors je sais pas si c'est différent de la version originale, on va dire que oui. Allez, je sais que tout le monde aime celui-là. Que vient-il de se passer? Non. Si tu veux. Et après c'est non, mais me refais pas remonter le curseur comme tout à l'heure, c'était ridicule. Merci. Bah oui. Il y a de ces questions, il est fort. Retournons, donc additionnel, c'est fait. Score attaque, bah, c'est un mode score attaque. On va s'emmerder les gars. Et ça c'est quoi? Il faut
faut déverrouiller un mode spécial of the death in the killing mood of the... On va se mettre en score attaque, vous allez voir que je suis un dieu vivant à présent avec tout ce que j'ai appris dans les runs précédents, donc on en est à 4 runs au total. Ça va poutrer. Par contre, je ne fais pas de continuer. De toute façon, il n'y aura pas en score attaque. Soyez logique un peu. Piu. Piu piu. Piu piu piu. Hunt. Haha. Oui, je vais pas parler pour vous faire voir que ma théorie est bonne et que si j'avais parlé, j'aurais pu faire un meilleur score. Alors là, faut le remplir le buffet. Ça, j'y arriverai mieux quand j'aurai vraiment un gros équipement avec plein de missiles qui partent par millions. Tu as vu, je recommence à parler. Il faut que je parle, ça m'aide. Et ça, mon cerveau arrive à séparer deux tâches de manière très distincte. Là, je pourrais d'ailleurs vous raciter déjà tout à l'heure la fourmi géante. Il était une fourmi qui allait au bout de bois, mais comme la reine Eleonore n'y était pas, je me suis mis à dire n'importe quoi. Ça reste à peu près cool. Hein. Garçon aurait pu faire de radio. On a dit qu'on n'en est pas les secrets. Non, alors c'était celui à vraiment pas prendre, monsieur. Monsieur, je descends là. Non, c'est bon, je ne tiens plus rien. Je descends. Je voulais pas celui-là. Ceci dit, pour scorer, il est bien. Donc, on vient de lever le truc. Tu veux scorer? Prends bien le laser bleu. Va déchirer, mémé. Tir bleu. Faut que je prenne le tir bleu. C'est ce qu'on aura retenu. Et ben voilà les amis. On aura fait le tour donc. Pour le arcade mode, je vous invite à revoir le stream publié juste précédemment. Nous on a fait ces trois différents modes aujourd'hui. J'ai pas été très très clair sur les explications puisque les nuances quand même sont relativement subtiles. Ceci dit, si parmi vous il y en a qui sont adeptes du gros scoring, je pense que ça vaut peut-être la peine de se plonger dans ce jeu. Surtout que je rappelle qu'il est régulièrement en promo sur Steam. Je l'ai chopé pour 2€ quoi. Donc ce serait un petit peu ballot de se priver. Oh, j'ai un plantage du jeu en sortie, c'est magnifique. Bah oui, mais ça fait comme une petite pirouette. La grosse classe. Je vous laisse avec les streams habituels, la playlist classique et la playlist des shmups. Et puis tiens, allez, soir de folie, ici va s'afficher quelque chose. Ciao, à demain 19h.